Et le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jaash. Au programme pour cette fois, vous l'avez vu la dernière fois ou pas? Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, c'est cadeau comme d'habitude. Mais on a crafté notre stuff niveau 190 grâce à l'Almanax. On a aussi crafté des sèves de tremble, enfin des bûches de tremble avec nos 4 sèves que j'avais droppées. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir comme ça. Oui, pourquoi pas, je le dis maintenant que j'y pense. Il y a quelqu'un qui arrive, on va directement couper mon petit tremble que j'attendais. Du coup, si je suis là en ce début de vidéo, c'est pour vous faire un petit point toujours avant de s'attaquer programme de la vidéo, voilà, sur ce que j'ai fait comme d'habitude. Donc là, les amis gosses, on est à la forêt pétrée. Alors vous allez me dire, ah, tu fais encore du tremble, tu fais que ça? Non, je fais pas que ça. Il faut savoir que j'y ai passé beaucoup de temps dans cette forêt pour le tremble, parce que le tremble c'est le sang évidemment, mais aussi pour l'XP, parce que rappelez-vous, je vous avais quitté niveau 191. Je vous avais dit, bon, on craft le stuff et tout, mais il nous faudra encore un petit peu prendre de niveau pour pouvoir l'équiper. Et effectivement, bah regardez, je suis niveau 195 avec 82%, donc quasi 196, qui va me permettre d'aller équiper la couronne d'Alistar. Je monte pas les items, hein. Vous allez voir pourquoi. Et aussi, il nous manquera la cape de Klim qui est 197, ainsi que la Ligue l'Ours qui est niveau 198. Mais ça, je vous avais dit, pour la Ligue l'Ours, bon, voilà, en attendant, j'ai mon saut souverain Exopéa, c'est très bien. Il faudra qu'on passe l'Exopéa sur la Ligue l'Ours, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Et puis, pour la cape de Klim, bah voilà, ça attendra un niveau de plus, c'est pas très grave. Du coup, pour l'XP, ce que j'ai fait, je vais vous montrer un petit peu, c'est très très agréable. Alors, dans cette petite forêt, je vais vous montrer directement. Alors, j'ai cherché un petit groupe avant toute chose. Alors, il y en a plein. Là, c'est farmé, vous voyez, les groupes de 1 et 2, c'est ces groupes là que je farm. Dramanite, alors c'est pas le plus intéressant, donc je vais pas forcément, voilà, un petit abrasif solo, regardez, je prends 1 million d'XP, j'ai en fait une petite compo idole, donc c'est la compo idole à base de Yosh et de Dynamo, donc en gros on va en mêler, on tape et c'est très débile, et voilà, on gagne pas mal d'XP en plus, ainsi que du drop, un score 204, j'ai même pas les magistraux, le magistral même, le Yosh et Dynamo magistral, je suis au mineur, ça suffit, c'est déjà très bien, et voilà, j'ai acheté ça, ça coûtait pas très cher, et ça permet pas mal prendre d'XP et de Kama. Je vais vous montrer, regardez, tout ce que j'ai farmé dans cette zone. On a l'abrasif, enfin sur l'abrasif, l'écorce d'abrasif qui coûte. Alors il faut savoir que ça, avant l'almanax, c'était 15 à 20 000 KU. Donc malheureusement, ça a pas mal baissé. Et pareil pour le Wolf de Fistula, c'était entre 10 et 15 000. Là, c'est 15 694. Donc j'en ai pas mal. J'en ai farm à des 100, plus de 100 de chaque. C'est très très propre. Il y a aussi des autres ressources que j'ai déjà un petit peu mis en vente qui coûtent moins cher, mais qui permettent en tout cas de bien prendre de l'XP. Vous allez voir, je vais juste vous montrer un petit combat. Regardez comme ça se passe bien, comme franchement c'est hyper plaisant en fait. Alors il y a sur l'abrasif ce truc qui est toujours un petit peu relou, mais en gros hop je viens tacler avec mon coffre. Voilà, il faut connaître un petit peu les mobs, mais il y en a, il faut aller les tacler parce que malheureusement ils fuient, surtout qu'il y a les dynamos et tout, et puis il y en a d'autres qui viennent te rusher. Enfin voilà, ça se passe, merde, là j'étais très très con. Je pensais qu'il y avait régène, c'est pas très grave. Donc ouais, le coffre qui me permet de tacler les mobs. Donc c'est très satisfaisant, vous voyez, très très rapidement on rush. Tac tac tac, je vais faire ça, on va le tapoter. Pas trop, faut pas qu'il me le tue quand même. Enfin voilà, en gros je farm comme ça hyper rapidement. Et ça permet, en plus des kamas que je vous ai montré, de prendre très rapidement, en moins d'une minute, à chaque fois un petit million. Et ça, bah, je l'ai fait bah, archi beaucoup. Regardez les abrasifs, tu les enchaînes. Je fais aussi les groupes de 2, surtout les mobs de la zone. Enfin voilà, j'ai vraiment bien kiffé farmer comme ça. Comme je vous dis, c'est assez plaisant, on va vite, on enchaîne, on se régale. Je vous montre un petit peu, regardez, hein, tac tac tac. C'est ce qui m'a permis de prendre pas mal d'XP. Donc bon, je vais pas insister plus que ça, mais je voulais au moins vous parler un petit peu de ça que j'avais fait. On peut le taper un coup. Hop, hop, lui il est un peu chien, il râle. PM à chaque fois. PA. Voilà, donc là avec le coffre on va l'attraper. Et voilà comment on enchaîne. Full raccourci, on joue hyper vite. Avec les idoles, full cac. Hop, hop, hop. Tac, 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 il râle PA, on va très vite. Le coffre qui permet de tacler et de taper hyper fort et il régale. Et voilà, à chaque fois on drop, on se met très bien. Donc voilà, ça c'est pour ce que j'ai fait jusque là. J'ai préparé pour cette vidéo les items. Voilà, donc j'ai déjà fait un petit peu les G. On va tenter de repasser ce que j'ai fait. Donc regardez ce que j'ai fait sur chacun des items. La couronne d'Alistar, donc comme je vous avais dit, on va viser des overvita sur chacun des items. Alors j'ai laissé tomber la PP, rappelez-vous, on avait galéré sur cette ceinture. Rasboulaire, j'ai fait ok, laisse tomber la PP, c'est beaucoup trop chaud. Et puis c'est pas très très grave. Ah bon, ouais, la PP, on s'en fout. Voilà, du coup, voilà pour la ceinture Rasboulaire. J'ai mis un petit tour de 41 avec le G-Max et derrière. Donc voilà, on va espérer repasser tout ça. J'ai tout fait, hein. La cape de Klim ici à 38 d'over avec un super GDR 70-50. Les 30 réponses, enfin voilà, super beau. Il y a, comme j'ai dit, encore pas la PP, mais sinon je vais juste trop me prendre la tête. Et faut se dire que voilà, c'est 190, niveau 200, c'est changé. Donc
Voilà, je m'embête pas trop. La couronne d'Alistair, par contre, je l'ai même signée parce que cette couronne-là, bon, on va la garder niveau 200 sur le stage, je pense. Donc voilà, un petit verre de 46, très joli. Il nous manque l'invo, là, la deuxième invo, on espère la repasser. Les buds d'Alistair, alors là, j'ai pas fait un très beau, j'ai un over assez nul, donc pas de chance, mais... C'est pas grave, on le repassera, si ça passe, on mettra petite invo. Là, l'alliance Glours, alors, ça sera pour la prochaine vidéo, mais je vous ai remonté un G pour vous montrer le G que je ferai à chaque fois. Donc en gros, je ferai 58 AG minime, 56 champs, je pense, 36 sagesse, je pense aussi. Et les 12 d'OR, voilà, je mettrai à chaque fois 12 d'OR, 11 d'O, ça suffira. Et voilà, un petit peu le G minimum que je viserai. J'essaie de faire un beau G, 12 d'O, maxé, perf et tout, j'en ai deux qui sont pas repassés en PO. Et puis on a aussi la Frime Amulette avec 42 d'Over, si ça passe, ça je validerai. Bon, 40 d'Over, c'est pas terrible sur Pupé APM, mais voilà, si ça passe, je validerai quand même, je me prendrai pas trop la tête. Donc on est parti, on va à Brakmar et puis on se fait notre petite session FM. On va voir, franchement, ça m'étonnerait, ne vous inquiétez pas, hein, même si j'ai préparé les items, on risque pas de valider directement tous les items. Donc on aura une bonne petite vidéo FM au programme normalement. Je vais directement me mettre en mode créa, sinon c'est chiant. Et du coup, on va commencer avec le joyau. Donc je vous propose de commencer avec la Frime Amulette. Voilà, donc ça, comme je vous ai dit, un beau petit G, même l'intel, j'ai maxé et tout, c'est assez sympathique. Est-ce que ça va passer? 42 d'Over Vita, ça ne passe pas. Donc l'amulette, on va la revoir. Je vous fais une tentative Iglors du coup. Je vous ai dit, on s'en tente une comme ça pour le fun. Ah, j'aurais aimé que ça passe sur la première tenta. Mais du coup, la prochaine vidéo existera toujours. Ça sera pour cette allégule. On y va pour le costume. Alors là, j'ai une... Vraiment, la couronne, elle est très très classe. La cape aussi est très très classe. Donc, repassage PO. Aïe, 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 aïe. Je sens qu'on va rien repasser. Mais bon, au moins, voilà, je me serais échauffé sur ça. Ça, j'aimerais vraiment qu'elle passe parce que c'est pas évident à sortir. C'est ok, franchement, c'est ok. Aïe, 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 aïe. Oh non. J'aimerais que... J'aimerais vraiment. On passe la ceinture. La ceinture, on l'a déjà vue assez la dernière fois. Elle m'a vraiment saoulé la dernière fois, les gars. Hey, yes. Yes, les gars. Et du coup, le PM sur les bots. Bon, de toute façon, ça, je la veux pas. Voilà, bon, ça, ok. Bah, ok, nice. J'ai préparé des trucs de façon très utile. C'est super. Donc, on va d'abord faire la ceinture. On va la terminer en premier, celle-là. Et donc là, on est parti pour s'enchaîner les petits puits PO. Il y a de tout, là. Il y a du PO, de l'invo aussi. Et du PAPM, on commence sur le puits PO de la ceinture. Ok, le premier puits PO, on va tenter de le faire ensemble pour voir ce que ça peut donner dès le début. Il nous manque un peu de raise. On passe à 18. Il nous manque encore 2. Yes, à crit 24. Il nous manque 2 puissances. 28. La passa qui nous monte à 37. Et on aura le droit à une pavie plus la ravie. La ravie passe, on a le jet que je veux. Hein. Vraiment, 50 d'over. Nickel, ça crit. Ok, parfait. Donc là, on a vraiment le G qu'il nous faut. Est-ce que dès le premier puits ensemble, ça se validera? Je l'espère fortement. Non. La ceinture, on est... je sens qu'on n'en a pas fini avec encore. Hein. Ce n'est que le début de la revanche. Alors, j'ai un petit 36 Vita d'over. On va le tenter. Ça va, je validerai quand même. Hein. 59-39, ça suffirait. En vrai. Voilà. Oh oui les gars, oui oui oui, regardez le PO qui saute alors sur le dos, donc ça me fait que 31, mais regardez, le G est déjà super bien. Donc je suis à 20, tac, 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 je suis à 26, juste passe, ok, 29. C'est dommage, il manque juste un de puits encore pour pouvoir en mettre une de plus, mais ouais, je vais tenter de ravir. 340 sur ce G, ça sera déjà très bien, on a le perfagie et 39 sagesse, donc 340 s'il te plaît, encore une. Aïe aïe aïe, quelle déception. Quelle déception les gars. Alors par contre les puits s'enchaînent, donc ça c'est bien. Et là j'ai moyen d'y croire si le dos passe. Donc je vous reprends directement pour le faire avec vous. Touk. Ah bah yes. Alors les gars, j'ai un bon petit repassage là. Et j'ai pensé à quelque chose. Parce qu'en fait 300 vita, ça correspond à 60 de poids. Il faut savoir qu'une tavi qui donne 50 vita, c'est 40. Donc en gros, je peux passer une tavi si mes souvenirs sont bons sur 300 vita et donc avoir 350 vita sur un G là très clean comme celui-là. Donc je pense que si ça passe, c'est ce que je fais en fait. Je vais lâcher, je sais plus combien c'est, il faudra aller voir. La tavi, bon, c'est pas encore fait que ça passe. Mais en vrai, comme ça, je me prends moins la tête et on valide un beau 350, très joli. Peut-être même voir pour mettre la PP si jamais. Voilà. Peut-être que les gars, je vais faire ça en fait. Je vais focus un G. Je pense que ça sera bien plus simple. Avec limite les 15 PP, un G perf. Je vais essayer de faire ça pour derrière mettre la tavi. Et là, je pense que il y a moins que ça soit mieux pour moi. Donc, je teste ça, les gars. Alors, peut-être sur celui-ci pour viser un très beau G. Là, donc j'ai un puits sur la passa. Donc, on va mettre ceci 299. Au moins, en vitant, ça va vraiment bien. Donc, je suis à 12. Il me manquera le dos. Donc, attention, attention. Il faut juste que le dos passe bien. Et on pourra valider le G, pourquoi pas même perf la J, on va voir ça. Du coup, là je suis à 12 et j'ai
plus 4, donc je suis à 16. Ok, ok, on va mettre la PA Pro qui passe en crit. Excellent, excellent. J'ai envie de tenter d'abord la page avant le dos. Il faudra juste que le dos passe en neutre. Juste en neutre. Passe en neutre, frérot. On va tenter ça juste après. Du coup, j'ai dit que j'étais à 12-16. Je suis toujours à 16. On passe... Ok. Ok, mec. Du coup, on a 19. 19. 19. Et donc là... Ouais, j'ai qu'une tente, hein, par contre, pour le dos. Donc, faut pas que ça troll. Ah ! Oh ! Oh, oh oui ! Oh oui ! Oh ! Oui. Alors... Du coup, je suis à 39, je vais mettre le PO. Si ça passe, on est trop bien, je peux même tenter une ravie. Je préfère le tenter avant parce que avec l'over, c'est hyper dur à passer. Si ça passe pas, si la ravie passe pas, ben je mettrai la transe. Faut que ça passe déjà au niveau du PO, s'il te plaît, Dofus. Oui ! Oh pardon, désolé, on est parti. On a un super G là, on a un super G. On a le droit à une petite tente à ravie. Je vérifie au cas où je suis un gros noob, ça peut passer, hein, même si Adial peut de repasser, que le G est archi lourd. Il y a même les 15 pp, donc je suis très content à ce niveau là. On va voir ça les gars, alors attendez. Ouais bon, on est bon à ce niveau là, on va pouvoir tenter notre ravie. Attention les potos, on est parti. Si ça passe, c'est trop excellent, ça m'évite de payer une trans. Ça m'étonne pas. Et du coup, bon, on va payer notre trans, mais on est quand même très très bien parce que là, au niveau du G, on va être... Voilà, on va avoir un beau petit G là et on aura même les 15 pp. Du coup, je disais que c'est toujours bon à prendre, mais c'est vrai que ça rajoutait tellement de difficultés que ça valait peut-être pas le coup pour un stuff que je vais juste changer niveau 200, donc j'en aurai pour un petit moment encore, hein, avec ce stuff, mais pas énormément. Mais au moins là, bah, c'est full bénéf. C'est super, je vais même la signer. Vu qu'elle est vraiment belle, du coup... Voilà, la ta vie au passage, hein, 300 000. Mais bon, 300 000, les gars, en termes de runes, c'est... J'ai dû déjà émettre beaucoup plus sur la ceinture. Donc au moins, on en finit sur ce super G. Voilà, ça passe sans problème. Regardez ce G! Oui, il est trop beau! Oh là là, il manque un de vita. Il manque pas un de vita. On a 49 d'over, quoi. Il manque juste un de sagesse. Voilà, excellent. Du coup, voilà, ça me fait 5 ravis. Et là, je pense que bah, 5 ravis, ça serait vraiment bien d'avoir le 390, quoi. Sur puits PAPM, j'espère avoir environ 100 plutôt que le 50 du puits PO Invo. Donc là, si ça passe, je valide pas, les gars, on tente l'Invo. Ça ne passe pas. Pas très grave. On enchaîne. Ah, là, on est bien, les gars. Je suis à 30 sur 90. J'ai 60 de puits. Il ne manque une passa. Éventuellement, la pavie avant de... Je sais pas, on va voir ce qu'on va faire de beau. On va déjà passer notre passa et il nous restera... Bon, déjà, on la passe. C'est pas dit parce que de 37 à 40, attention. Génial. Ok. Donc, je suis à 39. J'ai 60... Non, j'ai pas 61. J'ai 51 de puits. Je pense que là, je vais directement mettre 5 ravis. Et peut-être que le 380 sera plus jouable de toute façon. Donc on y va. Ça serait génial, hein, d'avoir le 380, les gars. C'est vraiment ce que j'aimerais bien. Avec le 15 pp, là, tout est perf, tout est magnifique, là. On y va. Let's go. On en a 5. Allez, il faut que la première passe vite. C'est fait. Allez, 4 avis pour aller au 380, s'il te plaît. 331, c'est trop nul. Yes, on l'a fait. Bon. 400, j'y crois moyen. Voilà, mais par contre 380, s'il te plaît. Elles m'ont fait galérer ces bots en plus, hein. Vraiment. Ces genre là, pas mal de tentats déjà. Donc, s'il te plaît Dofus, régale-moi. Il est magnifique ce G, il est magnifique. Ah, le PM qui saute, mais je pense pas que je peux en faire grand chose. Alors, j'ai un repassage PM, les gars. Je pense qu'on va faire la même chose que sur la ceinture si jamais ça passe. Alors, c'est vraiment dommage sur un PUPM, mais là, ça fait encore, je sais pas combien de temps. Regardez l'heure dans le chat, je sais pas vous dire. Mais genre, j'ai dû claquer déjà une bonne quinzaine, non, peut-être pas. Une bonne dizaine, en tout cas, de GAPM sans avoir la moindre tenta vraiment intéressante. Et j'ai même pas dépassé. Oui, si, on a eu une bonne tenta. On a eu un quasi. Sans d'over. Mais bon, voilà quoi, c'est tout en vraiment très en beaucoup de temps. Et au niveau de la dépense, ça fait vraiment beaucoup. Donc si jamais ça passe, je pense que je m'embête pas plus que ça. Je mets une Tavi et puis basta. Donc est-ce que ça passe? En vrai, je pense pas que ça passe. Je le sens pas passer. Donc voilà, pas de problème. Mais si jamais je valide un G vraiment near perf comme ça, comme pour la ceinture, je pense que je m'embête pas. Je vais lâcher 300 000 pour une Tavi et puis voilà. Enfin, allez les gars, au moins une. Ok, s'il y a les deux, on est aux anges, évidemment. Ça ne passe pas. 340, c'est très bien. Honnêtement, je serais bien content que ça passe parce qu'on a passé pas mal de temps dessus. Oh, on espère. Bon, déjà, objectif en passer une, quoi. Et puis, on verra après pour l'over de 97. Ça ferait. On y va. Allez, au moins une, hein. Déconne pas, gros. Si ça passe pas, comme j'ai dit, tant pis. On y va là ta vie, mais c'est dommage, quoi. Ok. Ok, bah écoutez, vraiment c'est incroyable, hein, ces bots, on est où là? Oh, il y a des 15 réfixes de merde là et tout, et ça va pas passer. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît.
insupportable. C'est... Ok, c'est bon. Je repasse en premier. On n'en parle plus de ces bottes de merde. Oh les gars, le PM est repassé. Alors attendez, parce que du coup, je suis... Normalement, je pense que ça devrait le faire pour Max le G là. On a sauté le PM avec une passa. On a déjà les dos prêts, là, les stats prêts, les crits prêts. Normalement, là, ça va. Et on va peut-être même pouvoir tenter des ravis. Ça serait beau qu'on valide quelque chose. On va voir. J'ai du puits au-dessus. Parce que là, je pense que c'est une rage. Donc j'ai plus 2. Donc je suis à 7. Je l'utilise pas. Et il y a même ça aussi. Mais ça, c'est négligeable. Ok. Donc je suis à 7, les gars. On est parti pour mettre un peu de réo. Voilà. Donc on en met 4. Donc ça fait plus 8. Donc on est à 15. On va mettre ici plus 2. Donc plus 4 même. Donc on a 19. 21, 23, 25, quand on passe le PMA avant, hein. 27, du coup, on va mettre une petite INI, 28, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, ça va être chaud, hein. 59, 62, 60, 62 toujours. Ok, donc là, c'est bon, on a... notre GGG à nous, il nous reste 28 de puits pour espérer passer une ravie. Ça serait bon, on va juste mettre deux fois ça d'abord, ça ne passe pas. Et on a deux ravis, voilà, il y a le PM qui est déjà repassé, mais ça peut le faire sur un malentendu, on espère. Ça m'éviterait de payer une tavie. Oui, les gars, voilà. Sans tavie, du coup, notre petite botte, parfait. Oh là là, j'ai failli galérer, hein. 78, 40, voilà, très très sympa, c'est ok, on valide, et du coup, bah, on a deux beaux premiers items. Je vais faire une petite pause, là, on va aller continuer nos quêtes alignement, là, et je continuerai juste après sur le... Allez, ouais, sur le joyau. Non, le costume. Le costume avec les pipés en haut, on va voir ce que ça donnera. Et voilà, du coup, les bottes Alistair, et ici, tic tic tic, la ceinture... Rasboulaire. Alors relais poteau, je suis à la forêt pétrifiée, non plus à l'atelier FM. Je vous propose une fin de vidéo déjà. Alors désolé, mais il faut savoir que j'ai déjà règle du coup la cape de clim ainsi que la couronne d'Alistair. Ça prend beaucoup de temps et je vois qu'on est déjà assez loin en termes de temps de vidéo. Donc je vous propose d'arrêter et de faire une deuxième partie avec le reste du stuff parce qu'il me restera l'AMU et je sens que bah, y a moyen que ça dure encore beaucoup trop longtemps. J'ai pas envie de faire du 30 minutes. Voilà, il faut savoir que là rien que sur les bottes d'Alistair, je vous ai pas tout montré, mais je vous... genre il y a eu Mastrail en plus, ça m'a vraiment saoulé, genre c'était insupportable. Du coup voilà, je préfère vous laisser que des trucs un peu cool et on évite de faire durer pour rien. Et comme là il y a encore pas mal de tentages, je vous assure, sur le reste des items, j'en dis pas plus. Je vous laisse du coup sur ça. J'espère que la vidéo vous a plu. J'essaierai, désolé parce que là c'est vrai que cette vidéo là elle a mis du temps à arriver, là ça fait presque une semaine limite depuis la dernière fois, mais j'essaierai de vous mettre la deuxième partie assez vite sur la couronne et la cape de clim. Voilà, la cape de clim elle n'est pas encore prête, genre je dirais. Enfin je spoil un petit peu déjà sur les premières tentats, mais vous verrez que ouais effectivement c'est vraiment chaud pour ce prochain stuff là que j'ai hâte de pouvoir équiper. D'ailleurs il va falloir que j'XP encore un petit peu là pour pouvoir l'équiper. Mais voilà, je vous propose une fin de vidéo, désolé si vous êtes déçu ou quoi, mais vous inquiétez pas, la deuxième partie arrivera vite. Pour ça bah n'hésitez pas à soutenir, à deux doigts de vous faire à 300 likes les gars, la deuxième partie arrive dès demain. Non je rigole, mais n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Merci à tous pour les soutiens en jeu, sur les vidéos, les commentaires, les likes, etc. Merci beaucoup à tous, je vous dis à très vite. Du coup ouais, c'est tout, c'est tout. Ciao tout le monde!